nouvelle victoire rapide, efficace. Ouais, c'est exactement ça, rapide et efficace. Je sais même pas si j'ai joué une heure, mais c'est vraiment bien. J'ai joué un joueur qui n'était pas très à l'aise, je pense, sur terre. C'est plutôt un bon tirage, mais ça se prend. Je suis content d'être au second tour. T'as pas beaucoup joué en 2020. Pourtant, là, on a l'impression que t'as enchaîné. Enfin, on te sent vraiment bien dans ton ouais. jeu. Bah, j'ai joué un petit peu au Challenge Elite FFT. Mais j'avais pas touché de raquette depuis là jusqu'à il y a 5 jours. Si on m'avait dit ouais, il y a une semaine que j'allais gagner déjà mon premier tour, j'aurais pas cru. Donc là, gagner 6-1, 6-1, c'est vrai que c'est une belle surprise. Dis-moi le service à la cuillère. Tu t'entraînes ou quoi? Parce qu'il a été fait à la perfection et en plus, tu as remporté le point. Pourquoi tu l'as fait à ce moment du match? Alors, je l'ai fait parce que je sentais déjà que ma concentration, elle partait. Et puis, je le garde un peu dans ma poche, le service à la cuillère, pour le sortir au bon moment, au moment où je sens qu'il faut que je gagne le point. J'ai l'impression que c'est pas que je vais le gagner à chaque fois, mais je trouve que c'est une belle arme. Donc, c'est vrai que je l'ai bien exécuté. Il y a des fois où je le rate. Et je passe un peu pour un novice, mais là, voilà, là, c'est bien passé. Et en plus, je pense que c'est un moment qui a fait tourner le match, parce que si je me fais débreaker à ce moment-là, je perds un peu ma concentration, ça peut tourner. Et je sais que c'est des moments clés comme ça qui peuvent me remettre dans le match, quoi, comme ça s'est passé. Bravo pour cette victoire, et puis on se retrouve après le deuxième tour. Merci. À bientôt, merci.